découverte des véhicules qu'on ne connaît pas. C'est des modes de route qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser justement quand on fait de la conduite classique. Donc là, sur tout terrain, c'est vachement intéressant, c'est pas mal. C'est un partage avec le sponsor et ça leur fait plaisir à eux comme à nous. Donc c'est cool. C'est toujours intéressant, ludique, de passer un moment avec le groupe dans un autre contexte, et en plus de ça, pour découvrir aussi la marque Land Rover et patronnée par Laurent Vitney, qui est toujours un plaisir de le voir. Sponsor premium est très présent auprès du club, toujours quels que soient les résultats, toujours derrière nous. Donc là, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec lui lors d'une journée comme ça, dans le cadre autre que le football. Apparemment, ouais, y a une petite compétition là. Je sais pas ce qu'ils ont fait les autres, nous, cet après-midi, mais ouais, ça change un petit peu. Comme nous, on l'a fait plusieurs années de suite, ça permet de voir autre chose. Là, pour renouveler un peu le programme, on a fait un Jungle Trek qui est la reproduction plus ou moins de ce qui est fait en Angleterre à l'usine de Solihull, là où sont testés les véhicules en sortie de chaîne, et aussi un test en aveugle, comme vous avez pu voir tout à l'heure, pour dynamiser les concurrents, et puis qu'il y ait un petit esprit de compétition, quoi. Ouais, plutôt sympa, avec le beau temps en plus, donc c'est cool, mais bah, ça fait passer un bon moment, pouvoir essayer des belles voitures comme ça, sur des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, comme aller en forêt ou sur des parcours comme ça, donc ouais, bien sympa. C'était cool, en plus c'était une sortie entre nous, avec toute l'équipe, tout le staff, et c'est vrai que c'était assez convivial, on a appris des choses, et surtout c'était assez ludique. C'est un moment ludique, en dehors de nos habitudes, qu'elles soient pour les joueurs, qu'elles soient pour nous à la concession. Ça permet d'avoir une journée vraiment en dehors de nos sentiers battus habituels, et puis une journée de plaisir et de découverte, parce qu'il y a la découverte des fonctionnements de nos véhicules avec les Land Rover qu'on utilise dans des situations un peu cocasses. Cette année, on a même fait des petits challenges avec les yeux bandés, etc. Donc c'est des moments de plaisir partagés. Ça permet de découvrir, de se dire, tiens, ces voitures-là, elles sont plutôt sexy, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des marques haut de gamme avec un intérêt, même si c'est pas pour en acheter, mais on a le plaisir au moins à passer la journée dedans et à voir comment ça fonctionne. Et le fait de parler déjà positivement de nos marques, de notre entreprise, de nos produits, font que de toute façon, c'est déjà une forme de réussite, une forme de plaisir à faire ensemble. Donc ça, c'est déjà la première pierre des fondations du partage et de faire ensemble, donc du sponsoring de moyen long terme que l'on fait ensemble avec une entreprise et un club de sport de haut niveau.